Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire la part 3 de la grande maison. Donc la dernière fois j'avais rangé en fait la salle de bain ici, mais maintenant puisqu'en fait ça prenait un peu trop de place, donc j'ai réparti la salle de bain ici et les toilettes ici. Donc voilà, donc j'ai un peu ouvert la maison, donc normalement il y avait le sol ici ou la pelouse. Ici il y avait aussi la grille etc. pour passer d'une chambre à l'autre. Voilà, donc maintenant cette chambre, ça va être la cuisine. Ok, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pour la cuisine et comment on va la ranger. Donc au début j'ai ce meuble. Voilà, donc c'est un meuble pour ranger, donc ici on peut sortir les boîtes etc. Donc voilà, il est comme ça. Je vais enlever la table. Donc il est comme ça, donc on peut sortir, on peut ouvrir ici on peut sortir ça, c'est comme des paniers. Voilà. Ok, donc j'ai décidé de le mettre ici. Après on va mettre des choses dedans bien sûr. Maintenant j'ai un autre meuble de la même couleur. Il est comme ça. Voilà, donc là il y a le petit tuyau. Là j'ai mis un four. Ça s'ouvre ici là. Voilà, comme ça. Donc il y a même le tuyau ici, c'est super beau. Voilà, c'est comme ça. Donc il fallait mettre des autocollants dessus, donc c'est super beau. Donc je vais le mettre juste en dessous de la fenêtre. Voilà, juste à côté du meuble. Voilà. Maintenant j'ai deux fours. Un de couleur noire. Voilà, donc il s'ouvre. Hein. Et un de couleur blanche. Voilà. Donc je vais utiliser les deux. Oui, deux fours. Donc je vais en mettre un ici et un là. Voilà. Voilà, comme ça. Donc maintenant passons à la nourriture que j'ai. Voilà, j'ai tout ça pour la cuisine. Donc au début pour le four, j'ai comme pour mettre dans le four, donc je crois que c'est des madeleines, voilà, donc on peut les sortir, hein. C'est tout petit, voilà, donc je vais mettre ça dans le four, donc maintenant après, j'ai aussi, ça vient pas les Sylvania en fait, je crois que c'est des donuts, donc voilà, c'est comme ça, il y en a deux marrons et deux roses. Je vais les mettre dans l'autre four. Donc, maintenant, j'ai trois poêles. Donc, j'en ai une de grise. Elle est comme ça. Je vais la mettre ici. Et j'en ai une, il y a une part de pizza dedans. Donc, voilà. Elle est plus petite. Et de la même taille, j'en ai une jaune marron comme ça. Donc je vais mettre les deux, une ici et une ici, voilà. Maintenant, excusez-moi, je vais passer aux assiettes. Donc j'ai deux assiettes jaunes, deux petites assiettes jaunes, comme ça. J'ai deux autres assiettes qui sont blanches avec des motifs. C'est vraiment super beau, c'est hyper bien fait. Et j'en ai une autre de blanche. Voilà, toute seule. Donc ça, je vais voir après où je vais les ranger. Donc les deux jaunes, je vais les ranger. Ici.
Je crois qu'il y a de la place. Oui, donc c'est pile, ça a pile la bonne taille, puisqu'elles sont très petites. Voilà. Maintenant, on va passer au petit panier. Donc j'en ai deux. Ils sont comme ça. Ils sont super beaux. Donc je vais en mettre un dedans parce qu'il est vert. Je vais lui mettre une assiette verte qui est pour les bébés. Hein, c'est comme ça. Voilà, comme ça. Et dans l'autre, je vais le mettre ici. Voilà. Maintenant, dans le petit panier que je viens de vous montrer, je vais mettre un petit sel. Voilà, super. Donc c'est vraiment tout petit. Comme ça, dans la sel. Je vais le mettre dedans. Maintenant, les deux assiettes blanches que je vous ai montrées déjà, je vais les mettre dedans, ici, là. Voilà, comme ça. Maintenant, j'ai des biberons, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc, j'en ai un de rose et transparent. Voilà. Qui est super bien. On peut même sortir le bouchon. Voilà. Donc, c'est super, super bien. Voilà, après j'ai aussi un biberon jaune, rose et bleu. Voilà. Donc eux, je vais les mettre dessus. Là. Oups. Je vais en mettre un dans le lavabo. Voilà, comme ça. Maintenant, pour mettre ici, j'ai comme une planche pour couper avec un couteau. Donc vous coupez comme ça. Comme ça. Les fruits et les légumes. Donc j'ai une banane et une pomme. Donc je vais les mettre ici avec le couteau. Voilà. Donc maintenant, j'ai du thé. Donc il y a écrit tea dessus, c'est-à-dire en anglais du thé. Voilà. Et c'est comme deux petites boîtes, comme ça. Voilà. Donc eux, je vais les mettre ici. Maintenant, il me reste une assiette. Donc l'assiette que je vous ai déjà montrée, la blanche. Donc je vais la mettre dans le petit panier. Et j'ai maintenant les affaires des bébés aussi encore. J'ai deux assiettes petites, donc avec comme des oreilles d'ours. Et un petit verre vert, de couleur verte. Donc voilà. Je vais les mettre dans le lavabo. Un dans le lavabo et un ici dans le panier. Voilà. Donc maintenant pour le four pour mélanger un plat, j'ai comme je sais pas comment vous appelez ça, une cuillère peut-être, un truc comme ça. Je vais le mettre ici. Maintenant, normalement il y avait un bouchon, mais je sais pas, je l'ai perdu. Il y a écrit milk dessus, c'est-à-dire du lait en anglais. Donc c'est de couleur jaune, voilà, comme ça. Donc je vais le mettre ici dedans. Puisque j'ai pas encore de frigo pour la cuisine. Voilà. Donc ça n'appartient pas. Après, j'ai aussi. Ça venait dans la chambre des parents. Donc je l'ai pris pour genre une boîte de thé ou du sucre, une boîte de sucre ou un truc comme ça, donc c'est super beau. Ah, les petites fleurs dessus, donc je vais les mettre ici. Il me reste deux verres avec un petit panier. Voilà. Avec deux petits verres qui sont jaunes et verts. Je vais le mettre dedans. Et ceux-là, je vais les mettre, j'ai plus de place, je vais les mettre ici. Comme ça. Donc voilà. C'était super bien de ranger la cuisine. Dans la prochaine vidéo, je vais ranger la chambre des parents et tout le dehors parce que aussi j'ai eu des fleurs pour mettre en décor partout dans la maison. Et la dernière vidéo sera celle de la chambre des enfants. Donc n'oubliez pas de mettre des pouces bleus.
et de vous abonner parce que c'est gratuit et ça me fera plaisir. Donc merci beaucoup de voir encore mes vidéos, ça me fait beaucoup plaisir. Et je vous ai... Oula. Comme ça. Je vous aime beaucoup. Donc bisous et à la prochaine vidéo.